bonjour, je suis Alain Darroze et là, je vais vous faire un plat complet pour 2-3 personnes, quelque chose de sympathique. C'est le plat qu'on met au milieu de la table et on se sert à base de calamar encore né. Chez nous, on dit chipiron, en espagnol chipirones. En tout cas, c'est très très bon. Allez, je vais m'atteler à ce plat, vous allez vous régaler. Pour faire ce plat, il vous faut évidemment les chipirons que j'ai nettoyés. D'un côté, vous avez le tube, l'autre côté, vous avez les tentacules. Un demi-oignon, un peu de chorizo. Pour mémoire, un peu de piment. Non seulement ça met de la couleur, mais ça met du goût. Le piment corne de taureau, un peu d'aubergine, des pâtes torsadées que j'ai déjà cuites. Et voilà, je vais émincer les piments et l'oignon. Couper en petits morceaux le chorizo. Le chorizo dans cette recette va servir de graisse. Je taille très fin l'oignon. Je badigeonne à peine ma plancha avec de l'huile d'olive. Et j'y jette mes légumes et chorizo. Ça va aller très 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 vite. Pendant que ça cuit, je coupe mes chipirons en deux. J'aime bien, je les aime bien. Ils vont cuire beaucoup plus vite. C'est une cuisson très très rapide. Mes légumes commencent à bien cuire. Je mets les pâtes. Je mélange le tout allègrement. Avant de passer ça de l'autre côté de la plancha qui est moins chaude. Et sans attendre, j'y jette mes chipirons. Je les assaisonne, un petit peu de sel. Piment d'Espelette, c'est obligatoire, quand même. Ici, je remue mes pâtes et légumes. Je vous jure, c'est un plat surprenant qui va ravir tous vos copains. C'est le plat coquin, canaille, que l'on met au milieu de la table et qui va réjouir tout le monde. Je leur mets la garniture de légumes et pâtes. Par-dessus, je mélange tout ça. Comme vous le savez, j'adore le vinaigre. Donc je vais faire un petit déglaçage au vinaigre. Le déglaçage, ça sert à décoller les particules qui seraient collées éventuellement. En tout cas, ce sont les sucs. Voilà, il ne me reste plus qu'à dresser. Voilà, un super plat. Je ne sais pas s'il vaut des étoiles, mais à travers la caméra et l'écran, je vois les étoiles qui brillent dans vos yeux.